Pakoé. Le Haka Markizien, il y a beaucoup de choses à détailler sur ce sujet-là. Déjà d'une, le Haka pour moi veut dire son identité. Et pour pouvoir communiquer avec toutes les îles de la Polynésie. Et c'est aussi un art culturel et un art spirituel. Du coup, c'est de là où on demande, on contemple avec les esprits de la nature, les esprits des ancêtres, et pour pouvoir sentir ce lien avec eux. En fait, c'est un lien avec nos ancêtres, le Haka. Et c'est aussi un partage de communication par la danse, par surtout le plus important, par le langage. Et le Haka, c'est au début la tout première langue marquisienne de la Terre des Hommes. Et ensuite, avec les départs des navigateurs, l'explosion des gens des îles, le départ des îles, du coup, la langue marquisienne a disparu, et là, on essaie de reprendre la langue par le Haka. Donc pour moi, le Haka, c'est un lien avec les ancêtres, le partage et la communication par la langue. Pakoé. Ouya. Hey oh ha. Tua kaki. Hi ha. Tua kaki. Hi ha. Ouye. Ouye. Ouya.